Envole-toi, Chelsea, vas-y plus haut. Tu vas adorer, tu vas me supplier de te donner la recette. Ah oui? C'est l'anniversaire de qui? De Mademoiselle Chelsea. Ah oui, dans un mois. C'est vrai, je suis peut-être un peu obsessionnelle. Mm-hmm. Beaucoup, dans certains cas. Chelsea? Maman, regarde, t'es prête? Vas-y. Waouh, jolie, t'es une championne. Essaie de rester au centre, d'accord? D'accord. Et c'est plus facile sans chaussures. Ça va, maman. Comme tu veux. Cindy, faut que tu goûtes ce délice. Une seconde. Brody, tu es un génie, mais si tu ne mets pas de son, je vais vendre ce truc en plus offrant. Te mets pas dans un état pareil. Moi, je viens justement pour ce chahut. Quand ils auront quitté la maison, tu le regretteras. Oui, sûrement, mais pour le moment... À peine 2 jours après que Shannon soit partie pour l'université, j'ai cru devenir cinglée sans le désordre et la confusion de l'adolescence. Oh. Au fond, c'est vrai ce qu'on dit. Ça va beaucoup trop vite. Oui. Sans façon, non? Oh, je suis vexée. Vous savez, Tom, je peux tous les renvoyer chez eux si vous voulez. Mais non. Écoutez, je ferai la coupure déjeuner un peu plus tôt aujourd'hui. Hein, tenez-moi au courant. Entendu. Yeah. Ouais, c'est bon. Un 15. Qu'est-ce qui se passe? 2 investisseurs viennent de se retirer. C'est pas bon, là. Je dirais pas qu'il y a de quoi se faire de la bile, mais je crois que ça ralentira juste un peu le projet, c'est tout. C'est bien joli, tout ça, mais pour nous, ça veut dire quoi? Pour l'instant, pause déjeuner. Bruce, combien de temps elle va durer, cette pause? On approche de Noël, mec. Oui, je sais, on est tous dans le même bateau. J'ai moi-même un gamin qui est à la fac et qui me coûte une petite fortune. Je vais passer quelques coups de fil pour faire en sorte qu'on soit couvert si le contrat tombe à l'eau. Hector? Ne laisse personne quitter le chantier. Compte sur moi. Bruce, s'ils arrêtent le projet, on va avoir des problèmes financiers. Et tu connais ma situation. Oh, je te couvrirai. 2 mois, ça te va? Ouais, mais c'est pas à toi de prendre ça en charge. Juste entre toi et moi. J'y tiens, ça me fait plaisir. Merci, vieux. Salut ma puce, ça va? Ouais, mais je suis un peu déçue que tu aies vu ça. J'en avais loupé aucun jusque-là. Oh, mais j'en suis sûr. Sûr et certain, mais... Si tu retirais tes chaussures, ce serait plus facile. Oui, mais... Non, tu les enlèves, tu verras. Salut papa. J'ai fini mon morceau, tu veux l'entendre? Rose, bonne nouvelle. Oui, une seconde, Tom. Qu'est-ce que tu fais? Oui, Tom, je vous écoute. On a peut-être trouvé une solution. Bon, ben c'est bien. Au revoir. Et continuer à croiser les doigts. Il faut embrasser sa femme. Bon, on se rappelle. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu me manquais trop, il fallait que je rentre. Bien trop occupé pour que je te manque. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Ah, bonjour Mélissa. Salut Bruce. Comment vas-tu? Oh, très bien. On a quelque chose à manger? Je vous laisse, je dois filer de toute façon. Oh, tu nous déranges pas? J'ai une belle-mère qui a des soucis de miettes. J'ai promis d'aller lui passer un petit coup d'aspirateur. Ah, au fait, David m'a offert un de ces nouveaux grilles qui fonctionne par... convection. C'est ça. Venez manger dimanche, on va l'essayer. Ah, volontiers. Super. On s'appelle. Au revoir. Au revoir, Mélissa. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ça? C'est un petit colis pour Josh, mais j'arrive pas à retrouver ses chocolats. Ils vendent pas de chocolat sur le campus? Si, mais pas des Hollandais. Pas des Hollandais, hein? Tu les as mangés, c'est ça? Non. Oh, je suis sûre que si, tu les as mangés. Vas-y, tu peux me fouiller. À vous, allez. Où sont les chocolats? C'est important. Ah oui, là, il vaut mieux que je réponde. C'est... D'accord, je vais aller au supermarché. Vas-y. Ah, dis, oui. La puce, t'as pas vu les chocolats que j'ai achetés pour Josh? Ah, tu les avais pris pour Josh? Oui. Tu veux venir avec moi au supermarché? Ah oui. Ah oui, alors va mettre tes chaussures. Dans ce cas, je peux peut-être mettre la moitié de l'équipe sur le projet à Clean et laisser l'autre moitié finir les logements du centre-ville. Papa, bisous. Bien l'ennui, Bruce. Attendez une seconde. Oui, je disais, l'ennui, c'est... On va pas laisser le chantier en plan. On cherche encore une solution, je vous promets. D'accord. Oui, tenez-moi au courant. Tu pourras m'acheter des bonbons de l'ours? Tu manges trop de sucreries, c'est pas bon pour les dents.
Ah, fantastique. Vous êtes sûr qu'ils ont les poches assez bien remplies? Oui, je pense. Bon, bah tâchez d'abord de vous en assurer et rappelez-moi. Hein. Entendu. Merci. T'as le temps maintenant? Le temps de quoi faire? D'écouter mon morceau. Oh, tu sais, moi et la musique, hein, j'ai pas d'oreille. Fais écouter à ta mère. J'ai plein de trucs à régler, là. Allô? Rose, c'est ah, bon. Tom, alors? Tout est arrangé. Oh, génial! Tu continues comme c'était prévu, alors. Bien! Oh, mais j'ai jamais douté de vous, voyons. Non, ils sont sur le chantier. Tous? Oui, on peut s'y remettre tout de suite. Oui, Tom, ils vont vous adorer. Je vous le dis, mais ils travailleront pas pour moi. Hein. Ouais, Noël approche. Tout à fait, oui. Je vous laisse à plus tard. Salut, papa. Mais dis donc, comment ça se fait que c'est toi qui réponds à la place de maman? C'est parce qu'elle conduit. Vous avez trouvé les chocolats hollandais? Ouais, maintenant on va à la place où il y a la boîte électrique. Chelsea? Allô, Chelsea? Bonjour, c'est Cindy, laissez-moi un message. Oui, salut ma chérie, c'est moi. Je crois qu'on a été coupé. Écoute, je suis reparti, je vais reprendre le boulot, mais tout va bien, ne fais pas de soucis. On se verra ce soir, je t'aime.
papa. Brody. Josh. J'arrive pas à le croire. Où est papa? Brody, tu veux manger quelque chose? Non. Ça va aller. Quand est-ce que vous avez rencontré Brody? Brody? Mmh. Oh, eh bien, dans la cuisine, juste avant les funérailles. Je suis avec Josh. Oh, je vois. Ouais, c'est ma petite amie, pas celle de Brody. Excuse-moi, je reviens. Oh, cette photo où elles sont toutes les deux est magnifique. Je me souviens de celle-ci, elle a été prise juste après que vous l'ayez adoptée. Oui, oui, c'était... Je suis désolée. Excuse-moi. Je devrais aller le voir, non? Non, laisse-le seul. C'est pour ça que je suis là. Ouais. Tante Léna a pas arrêté de m'appeler Brody. Elle est bloque ou quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être. Bon, c'est même sûr. Un truc que je pige pas. Elle aurait jamais fait ça. J'ai lu tous les journaux et... Ils disent que maman est sortie du parking sans s'arrêter et sans mettre son clignotant. Josh... Ça lui ressemble pas. Elle mettait même son clignotant pour sortir de notre allée. Oui, je sais. Alors comment elle peut être responsable de... Ça colle pas. Qui a heurté qui, papa? Est-ce que tu leur as au moins posé la question? Je sais pas qui a heurté qui a mis son clignotant et qui l'a pas mis. J'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que ta mère et ta sœur sont mortes. Alors, on en reste là, s'il te plaît. Mais où tu es? Ah, ah, ça y est, je te vois. Ah. Coucou, papa. Attends. Oh là, oh, ah. Oh. Ah. Hé, hey, Chelsea. Chelsea. Viens par là. Viens, quelle est la règle de la famille? Toujours faire un bisou quand on s'en va. Thank you.
contre-attaque de... C'est l'élevage. De voir un homme dans l'espace était à... Avec une paix. Sur un plan économique, là... Avec mon mari. Le temps sera plutôt couvert dans la matinée. Écoute, j'ai un partiel de chimie lundi matin. Si alors tu veux partir, va-t'en. On y est presque. Je t'en prie, Brody. Sur les accidents souvent mortels provoqués par les rodéos nous montre que la grande majorité de ces accidents se produisent généralement en milieu urbain et 6 fois sur 10, on trouve au volant un adolescent de sexe masculin. Et nous avons maintenant toutes les raisons de croire que le fatal accident d'Hillsboro Mall a été provoqué par un rodéo. Voici ce qu'un témoin nous raconte. Oui, le gamin roulait vite. Il avait une voiture de sport noire. Il faisait du gymkhana entre les voitures. Vous savez, passer d'une file à l'autre, comme ça. Il y avait une autre voiture, une marron claire, elle allait aussi vite que la noire. Elle roulait presque pare-choc contre pare-choc. C'est clair que ces jeunes faisaient la course. À la vitesse où la voiture noire a heurté le monospace, il n'avait aucune chance. Les autorités se refusent à tout commentaire sur l'allégation que le jeune conducteur de 18 ans se livrait à un rodéo au moment de l'accident. Tu le savais, ça ? Ils reconnaissent toutefois que cette avenue est fréquemment le théâtre de dangereux excès de vitesse. C'était Vanda Roland en direct d'Hillsboro Mall. Merci Vanda. Pour continuer avec les nouvelles locales, une association s'est mobilisée. Je peux vous aider ? Oui, je souhaiterais voir le rapport de police au sujet de l'accident d'Hillsboro. Ma femme et ma fille font partie des victimes de cet accident. Monsieur Murakami ? Shérif Burke, on s'est brièvement parlé à l'hôpital. Oui, je me souviens. Pourquoi vous ne m'avez pas appelé ? Pour dire quoi ? Vos informations, ils ont dit qu'il y avait des allégations comme quoi il y aurait eu un rodéo. Nate, ne restons pas là. Merci bien. Écoutez, il y a un témoin qui dit que deux abrutis faisaient la course quand la voiture de ma femme a été percutée. D'autres démontrent cette version ? Qui sont ces autres ? On aurait besoin d'une ou deux unités de plus s'il y a du grabuge au concert. Eh bien, envoyez Osborne et McGuinness. Mm-hmm. C'est notre job d'enquêter sur les accidents de la route. Et personne ne s'est renseigné sur ces gamins ? S'ils faisaient une course et qu'ils ont causé l'accident, vous devez les mettre en prison. Monsieur Murakami, tous les témoignages concordent. Votre femme est sortie du parking. Non, ma femme n'était pas candidate au suicide. Il y avait notre fille avec elle dans la voiture. Elles ont été accidentées. Mais on ne peut pas arrêter l'autre conducteur sans avoir la preuve qu'il ait commis un délit. Mais j'étais sur les lieux. J'ai vu dans quel état étaient les voitures. Un choc aussi violent prouve bien qu'un des véhicules roulait très très vite. Il nous faut des éléments bien plus solides que ça. Sinon, nous classerons le dossier dans les accidents. Alors le salaud qui les a tués va s'en tirer comme ça sans même être inquiété. Excusez-moi. J'ai besoin de vous, shérif. Regardez ça. Nous n'avons pas de preuves suffisantes pour retenir des charges contre lui. C'est plus facile. Je comprends votre frustration. Je ne crois pas. Vous souffrez d'une terrible perte et on fera tout ce qu'on pourra pour mettre à jour les circonstances exactes de l'accident. Vous avez ma parole. J'étais venu pour voir le rapport. Vous tenez vraiment à lire ça ? C'est à la disposition du public pour les accidents de la route, et j'en veux une copie. S'il vous plaît. Merci. Une petite question, shérif. De quel genre de preuves vous avez besoin ? D'un peu plus de femmes et d'enfants innocents brûlés dans leur voiture, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous vous décidiez enfin à réagir ? Alors, vous en êtes où, les gars ? C'est pas aujourd'hui ? Hein ? Mais si là, on déjeune. Ah, tu vois ça, oui. Remballez toutes vos saletés. Bah, c'est juste qu'on... Si le client arrive et vous voit tous assis en train de vous empiffrer, ça fera mauvais effet. Oh, détends-toi. On est sur la corde raide. Je te rappelle que c'est ma réputation qui risque de finir aux chiottes, pas la tienne. Oui, je sais, patron, mais on est dans les délais. Et c'est notre pause déjeuner. Viens. Je voulais m'assurer que vous n'étiez pas en train de vous la couler douce. Non, sur le coup, patron. Ça va, tout baigne. Il fallait que j'en sois sûr. Boss. Je suis désolé. Tous les gars et moi... On est vraiment désolé. Oui. Merci. Tout ce que tu as à faire, c'est choisir un plat. Tu le mets sur une assiette, tu la couvres avec un film plastique et tu la passes 10 minutes au micro-ondes.
Ah, ne la couvre surtout pas avec du papier alu. Ça mettrait le feu à la baraque. Faut bien mourir de quelque chose. Hé, Brody, c'est moi, Mélissa. Ta copine, tu te rappelles? Ouais. J'ai quoi, là? Tu as des morceaux de poulet, encore des morceaux de poulet, et un machin chinois, et ah, il y a aussi ça. Mais je sais pas ce que c'est. Il n'y a rien qui me tente. Chérie, tu dois manger quelque chose. Des protéines, un peu de légumes ou au moins de la salade. Dans la maison avec l'impression d'être invisible. Comme un fantôme qui fait que passer. Chaque jour, je me lève. Je fais mine d'être vivant. Je respire. Je me brosse les dents. Je vais en cours. Et à chaque instant, je me dis... Pourquoi je suis toujours là et pas elle? Ah, bonsoir, Bruce. Tu tombes bien, on s'apprêtait justement à choisir le repas de ce soir. Où est Josh? J'ai pas vu sa voiture. Il a dû retourner à la fac pour un examen. Comme ça, sans dire au revoir? Ah bah, viens. T'es allé voir la police? Selon eux, ce n'est qu'un accident, dont la responsable est Cindy. Le dossier est clos. Le jeune est hors de cause. Mais enfin, il doit bien y avoir quelque chose que tu puisses faire. Ah, non, pas encore. Pas encore? Il y a des détails là-dedans qui risqueraient de te faire beaucoup de mal. Ah, je vois. Brody est pas assez mûr pour connaître la vérité? Et Brody... Merci, papa. Brody! Bruce, laisse-le. C'est pas après toi. C'est l'adolescence qui veut ça. Quant à Josh, je crois pas qu'il avait la force de dire un autre revoir maintenant. Il aurait pu au moins laisser un mot. Encore une fois, je n'ai rien à voir avec ça. Il est libre parce qu'il est innocent. Le bureau du procureur a des comptes à rendre et ne doit pas gaspiller l'argent du contribuable. Maître Taylor, trouvez-vous que ce verdict soit juste? Mes impressions personnelles sont tout à fait secondaires. Je crois en la justice et rien ne peut m'arrêter tant qu'elle n'est pas rendue. Aujourd'hui, justice a été rendue. Maître Taylor, encore une question. Maître Taylor, croyez-vous que le procès ira en appel? Eh bien, celui-ci a déjà été. Ça perd de temps pour être bon et M. Shepard a lui aussi perdu un temps précieux. Oui, allô? Bonsoir, est-ce que Brody est là? Oui, il est dans sa chambre. Ne quitte pas. Brody! Brody! Non, il n'y a aucun problème. T'es sûr? Oui, si tu veux rester chez toi, il n'y a pas de souci. Tant que ça ne vous gêne pas d'avoir un ado bougon à la maison. Bien sûr que non, ça ne nous gêne pas. Bon, bien. Merci, Mélissa, j'apprécie beaucoup. À vrai dire, je suis contente de pouvoir vous aider. Appelle-moi. Compte sur moi. Au revoir. Café au lait. Ah, et puis non, juste de l'eau. Ça
Salut Josh, ton examen s'est bien passé? J'ai lu le rapport de police. Brody m'en a faxé une copie. Papa, qui c'est ce témoin qui dit que le jeune Gutiérrez faisait la course? Josh, c'est pas important qui il est. Tu crois pas que ça vaut la peine d'essayer de le savoir? Alors fais au moins ça. Josh. Josh. Un peu. J'ai pas faim. Brody. 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 Pourra venir que demain. D'accord, mais je veux la copie du dossier sur mon bureau aujourd'hui même. Vous avez le rapport que je vous ai demandé? Oui, oui. Maître Thompson, Maître Taylor. Parfait. Maître Taylor, à la lumière de ces nouvelles preuves, votre client est libre de s'en aller. Merci, mesdames et messieurs. L'audience est ajournée. Vous pouvez vous lever. Au revoir et bonne chance pour la suite. Merci encore. Va aller. Ok. Vous devez appeler Monsieur Lewis pour l'affaire Kimson. Excusez-moi, Maître Taylor. Je m'appelle Bruce Murakami. Et vous avez un rapport de police. Vous êtes très observatrice. Ce rapport est justement ce qui m'amène à vous. Seulement, je suis un petit peu débordée, alors. Ah, Maître Taylor a déjà une quinzaine d'affaires sur les bras. Oui, mais... Appelez le cabinet, on vous orientera vers un confrère. Non, attendez, c'est vous que je veux. Oh, je suis flattée d'être une femme désirée. S'il vous plaît, lisez au moins ce rapport. Il n'y a rien que je puisse faire, désolé. Je veux savoir pourquoi on ne pourrait pas arrêter le jeune homme qui a tué ma femme et ma fille. Monsieur, Maître Taylor, vous m'avez expliqué quel âge, monsieur? Murakami. Bien, monsieur Murakami, je suis avocat de la défense, pas détective. Oui, mais vous procédez toujours à des investigations. Vous êtes plus minutieuse que vos adversaires, c'est pour ça que vous gagnez et que je vous veux. Eh bien, si vous avez quelqu'un à me faire défendre. Et ma femme et ma fille, c'est personne? Écoutez, je vous l'ai dit, je suis débordée. Je ne peux pas passer pour monsieur Murakami. Une bonne raison. Parce que je n'ai pas de temps à vous consacrer pour l'instant. Ce n'est pas une question de dossier, quel que soit celui après qui vous en avez. Au revoir, Mitchell. J'en ai après personne. Moi, je veux juste voir la loi de cet état s'appliquer à un acte criminel. Au revoir, monsieur Murakami. Voilà. S'il vous plaît, une question. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Elle est forte, hein. Est-ce qu'il procède en appel? Oui, il ne faut jamais qu'il y ait victoire trop vite et le bureau du procureur n'en restera pas là. Vous allez directement au bureau? D'accord. Alors on se verra là-bas. Bien sûr. Maître Taylor. Ah, Lionel, vous allez bien? Je vois. Brody. C'est. Brody, c'est l'avocate qu'on voit tout le temps à la télé, c'est ça? Elle a plaidé dans l'affaire du haut fonctionnaire du projet Pyramide. Elle est vraiment très habile. C'est une battante. Ouais. Ça fait quoi qu'elle soit une battante? Qu'est-ce que tu veux essayer de prouver, hein? Quelle différence ça peut faire qu'il ait fait une course ou qu'il mangeait un cheeseburger? Et peut-être que maman a été éblouie par le soleil, peut-être que Chelsea avait mis un CD et faisait la Java. Qu'est-ce qu'on en sait? On s'en fiche? De toute façon, ça les ramènera pas. J'ai tort? Non.
C'est sûr. Oui. Mais d'un autre côté, ça peut présenter des avantages. Sam, il faut pousser les recherches. Si vous ne trouvez pas ces numéros, la réponse est non. On est tous sur le coup. On va trouver. Il n'y a aucun souci. Bien, alors. La balle est dans votre camp. Rappelez-moi dès que vous avez quelque chose qu'on en finisse avec ça, d'accord? Ça sera réglé d'ici demain. Je compte sur vous. Au revoir. Au revoir. Il y a un monsieur Murakami dans le hall. Il est très insistant. Monsieur Murakami. Alors, vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu, mais je vous l'ai dit, je ne peux oui, pas. Oui, dites l'affaire, vous ne posez pas de problème, quel que soit l'adversaire. Venez dans mon bureau. On m'avait dit que ma femme était responsable de sa mort et de celle de notre fille. Je sais aujourd'hui que c'est faux. Et si vous avez lu le rapport, vous le savez aussi. La police a classé l'affaire dans les accidents parce que les déclarations des témoins sont concordantes. Retardez, Monsieur Johnson, de 5 minutes. Entendu. Et sans preuve, il sera impossible de convaincre le procureur de lancer une inculpation à l'encontre de ce jeune conducteur. Il n'y a pas un moyen légal qui permettrait de faire réouvrir le dossier? Techniquement, non. Mais si vous avez quelqu'un qui sait s'attirer les bonnes grâces du procureur... Je veux la personne la plus apte. Je ne suis pas celle-là. Dans l'affaire des deux ados inculpés pour incendie volontaire, vous l'avez gagné parce que vous avez plaidé avec votre cœur. Ah, mais c'était il y a 5 ou 6 ans. Les choses changent. Je me suis peut-être trompé sur vous. Peut-être que mon affaire ne colle pas avec vos ambitions. Peut-être qu'elle n'est pas assez valorisante. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolé. Vous avez devant vous un homme désespéré qui a vraiment besoin de votre aide et qui est à court d'idées pour l'obtenir. Je vais faire une enquête préliminaire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis... Je ne vous demande qu'une seule chose. Ne vous faites pas trop d'illusions. Ce ne sera pas facile. Je ne m'attends plus à ce qu'il y ait quelque chose de facile. Elle a été heurtée avec une telle violence que son monospace a été projeté de l'autre côté de la chaussée. C'est là qu'elle est entrée en collision avec le 4x4. Ils disent qu'il est probable que Chelsea ait été tuée sur le coup. Pour Cindy, ils sont moins sûrs. Leur voiture était déjà en feu quand ils sont arrivés. La fumée était tellement dense que ça obscurcissait le ciel. C'est la police qui vous a dit tout ça? Oui, plus ce dont je me souviens. Vous étiez là? 5 minutes trop tard. Vous êtes sûr de vouloir rencontrer les témoins? Je peux les voir seul. Oui, ça ira. Je comprends pas ce que vous dites. C'est quoi la question? Est-ce que vous diriez que la voiture roulait à une vitesse dangereuse pour la sécurité? Si vous voulez dire vite, la réponse est oui. Mais... ça n'a rien d'anormal à notre époque. On parle bien de la petite voiture noire. Ben, comme j'ai déjà dit au flic, en fait, le môme roulait pas tellement plus vite que les autres voitures. Mais il était en train de... La femme du monospace s'est lancée sur la route, juste devant lui. Elle devait sûrement avoir la tête ailleurs. Je vois tous les jours des bonnes femmes sortir de là sans regarder, soit parce qu'elles se maquillent ou discutent au téléphone. Et Cindy n'était pas au téléphone, je vous remercie, monsieur Scully, vous nous avez bien aidés. Donc, tu étais arrêté au feu, c'est ça? Ouais, j'étais dans ma bagnole. Et tu pourrais nous donner... un peu plus de détails? Il y avait une voiture noire et une autre qui était marron clair. Je les ai bien vus, j'étais juste derrière. Les deux conducteurs se sont fait un signe de tête. Tu les as vus faire ça? T'es sûr? Ouais, si je vous le dis. Et ensuite? Ensuite, le feu est passé au vert. Et vroom, comme des flèches. Cette voiture marron dont tu parles, elle n'était pas impliquée dans l'accident? Non. Le gars a levé le pied quand ça a commencé à bouchonner. D'accord, il a levé le pied. Mais est-ce qu'il s'est arrêté après que l'accident s'est produit? Oh non, il a continué. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est revenu, en fait. Il s'est mis sur le parking en question. Tu en es sûr? Ouais, si je vous le dis. Il observait de l'autre côté de la rue. Il avait l'air fasciné par le feu. Ce mec doit être un peu pyro sur les bords, c'est clair. À mon avis. Il y a une autre marron là-bas au fond. Non, il a dit le parking qui était de l'autre côté de la rue. Excusez-moi. Vous voulez que je mette sur pause? Oui, allez-y. Non, c'est bon, je le rappellerai. Ça ne nous gêne pas, vous savez.
J'aurais dû définir mes priorités il y a déjà bien longtemps. Si j'avais pas répondu au téléphone ce jour-là, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Bruce, vous devez arrêter de vous accabler avec des si. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Vous ne les avez pas perdus à cause de ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. L'équipe de Chanel 2 est ici. Oh, c'est plus loin. Je suis avance désolée, que quelques j'ai une petite interview à donner. La vie continue. Restez aussi longtemps qu'il vous plaît. C'est ça. Une voiture marron clair sur le parking de l'autre côté de la rue. Voilà. La plaque est dégagée, mais j'arrive pas à la lire. Je suis sûre qu'on peut arranger ça. Oui. Voiture. Elle n'est pas à vendre. Je parie qu'elle va vite. Ouais, elle en a pas mal sous le capot. Assez pour faire la course? Assez, ouais. Pourquoi vous voulez savoir ça? La femme et la fille de monsieur étaient dans le monospace quand tu as fait la course à Hillsboro le mois dernier. Tu te rappelles le monospace? Tu es revenu sur le lieu de l'accident, mais tu as négligé de dire à la police que tu avais fait la course avec Justin Gutierrez. C'est un mensonge par omission, t'as déjà entendu, Ster? Et j'ai emplafonné personne, ok? J'ai ralenti, moi, lui, il a commencé à se la nommer. Tu diras ça au tribunal. Quoi? Complice d'un crime, c'est le tribunal. Peut-être même une peine de prison, je sais pas trop. Je ne suis qu'avocate. Allons-nous-en. Non, non, attendez. Il doit bien y avoir quelque chose que je puisse faire pour vous aider, non? Enfin, il nous a tout raconté, c'est suffisant devant une cour, non? C'est la parole de ce garçon contre celle de l'autre. Ça ne convaincra pas le procureur. Mais il a avoué que lui et son copain faisaient la course. Oui, et le jeune Gutiérrez réfutera cette version. On va aussi devoir convaincre le shérif que ces hommes sont allés un peu vite en besogne. De quoi on a besoin? Eh bien, d'une preuve irréfutable. Nous avons... Excusez-moi, mais j'ai une réunion et je suis déjà en retard. On poursuivra cette conversation plus tard. Bien, merci encore. Là. Et encore une autre ici. Tout le parking est surveillé par des caméras. Ah, vous croyez que... Ben oui, peut-être qu'elles ont aussi filmé l'accident en arrière-plan. Oui, c'est pas impossible. Oui. On va vérifier. Tiens, il y a 5 caméras de surveillance qui ont filmé la rue le jour de l'accident. Vraiment? Oui, vraiment. J'ai fait agrandir l'image, alors elle est un peu floue, mais vous aurez une idée très claire de ce qui s'est passé. Donnez-moi une seconde. Anna? Vas-y. Monsieur Gutiérrez est en seconde position. Nous avons pu calculer qu'il roulait à 158 km/h. Et comme n'importe quel juge le verra, il est évident qu'il faisait la course. Voici une copie. Prévenez-nous quand vous l'aurez arrêté. Tu veux refaire de la randonnée? Ouais, j'adore ça. Alors la semaine prochaine. Mais pas en talon cette fois. Oh, j'étais pas en talon. Quoi? On se retrouve plus tard. Salut, petit gars. Salut, Josh. Comment t'es arrivé? Et non, papa n'en sait rien. Génial. Papa? Salut, Josh. Dis, c'est une super nouvelle que t'aies engagé une avocate. Comment tu l'as su? Oh, c'est Brody qui me l'a appris un peu plus tôt dans la matinée. Mais Brody est à l'école? Ah, ouais. Il y est.
quelque sorte. Et la musique, comment ça va? Maman me bassinait toujours pour que je baisse le son, mais... je sais qu'elle voulait que je fasse carrière dans la musique. Et tu vois, au fond, le lycée, ça fait que me ralentir. Les profs sont nuls. C'est vrai que ça peut être lourd, le lycée. Mais il faut que tu tiennes le coup. Super. Je peux me joindre à vous? Alors, les garçons, vous allez bien? Ouais, ça va. Bizarre comme goût. Que c'est toi. Ah, il vaut mieux que je réponde, ça pourrait être important. Ah, ça, c'est une surprise. Oui. Ah, bonsoir, Eric. Merci de m'avoir balancé. Brody. 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 Lâche-moi. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça, oui. Mais vous croyez que ça suffira pour que le procureur monte un dossier? Il a semblé très réceptif. Bon, bah alors rappelez-moi quand vous aurez une réponse. Je n'y manquerai pas. Tu peux pas disparaître comme ça sans lui dire où tu es. Il a déjà traversé assez d'épreuves. Oh, et pas nous. C'est pas le moment de lui en infliger une autre. J'en ai rien à faire. Je t'en prie, Brody. Vous avez besoin de parler, tous les deux. Oui, merci. Il est à côté de la plaque, il comprend rien. La seule personne qui me comprenait est morte. Hé, les garçons, vous n'allez pas en croire aux oreilles. Cette avocate que j'ai engagée. Eh bien, elle et ses assistants ont réussi à trouver la preuve formelle que Gutiérrez faisait bien la course. Et alors? Ils vont l'arrêter? Je crois que c'est en bonne voie. Mais quelle question. Évidemment, je sais ce que j'ai à faire. C'est lui, n'est-ce pas? C'est possible. Affaire 47655, le ministère public contre Justin Gutiérrez. Maître Peterson, veuillez, je vous prie, approcher avec l'inculpé. Assurer la défense de Justin Gutiérrez durant son procès. Oui, madame la présidente. Êtes-vous Justin Gutiérrez? Brody, reste là. Oui. Parfait. L'audience de ce matin est destinée à vous informer de vos droits et des charges qui sont retenues contre vous. Pourquoi nous fixerons les conditions pour la caution. Monsieur Gutiérrez, vous êtes accusé de 2 homicides par imprudence. Chacun de ces homicides est passible de 15 ans d'emprisonnement. Par conséquent, si vous êtes déclaré coupable, vous risquez 30 ans de prison. Comprenez-vous les charges retenues contre vous, monsieur Gutiérrez? Oui. Et comment plaidez-vous? Monsieur Gutiérrez, comment plaidez-vous? Non coupable. C'est ce que je vous avais dit, ça n'a rien de surprenant. C'est pour ça que le seul témoignage de son ami n'aurait pas suffi. Et nous le tenons avec la vidéo. Je ne sais pas quoi dire. Ça va aller, ne vous en faites pas. Justin est encore mineur. Même si sa culpabilité est prouvée, ce dont je vous ai dit, juste un accident. Il écopera tout en plus d'une peine avec sursis. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Absolument. Allez, viens. J'appelle l'observation. J'en reviens pas qu'on le laisse rentrer chez lui comme s'il s'était rien passé. La juge a fixé une caution basse parce qu'elle ne croit pas qu'il essaiera de fuir. Et c'est sa première inculpation, il n'a jamais eu de problème. Mais oui, on a entendu, c'est bon. Ils vous ont proposé de négocier, c'est ça? Son avocat veut discuter. Je parie qu'il veut plaider coupable. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui rapporterait? En échange, il pourrait avoir une confusion de peine. Ça veut dire quoi? Eh bien, que les deux peines seraient commuées en une seule. Et donc, il ferait 15 ans au lieu de 30? Tout à fait. Oh, pas nécessairement. Avec les remises pour bonne conduite, ça pourrait être beaucoup moins. Non, c'est inacceptable. C'est pour ça. Excusez-moi, que maître Taylor. C'est mon dossier maintenant. J'ai comme l'impression que vous avez du mal à vous faire à l'idée qu'on est assis à la même table sur cette affaire. S'il y a un procès, vous ne serez pas assise à ma table. Non, minute. Ça veut dire quoi, s'il y a un procès? On ne veut pas tout ça pour conclure un marché ou je ne sais quoi. On veut que justice soit faite. Dans ce cas, nous irons au procès. Très bien.
faire une mission au jeu, chérie. Aidez-nous! S'il vous plaît! Laisse-le tranquille! Oh, Justine! Ce n'est pas de cette façon que tu résoudras les choses. On est tous en colère, mais il y a une grosse différence entre être en colère et commettre un acte stupide. Qu'est-ce qui t'a pris? Les Gutiérrez ne portent pas plainte, c'est une chance. Oui, mais ils auraient pu. Tu le sais, ça. Oui, il le sait, Bruce. Qu'est-ce que vous reprochez à mes lasagnes? Elles sont végétariennes, c'est ça le problème? Non, non, pas du tout, c'est... Non, c'est très bon, merci. Non, je ne crois pas non plus que ce soit le problème. Je crois que le problème, c'est vous. Vous trois. Vous savez, si vous vous parliez, ça faciliterait les choses. C'est une idée comme ça. Si tu disais ce que tu ressens à tes enfants... Qu'est-ce qu'elle penserait, Cindy, si elle vous voyait? Je suis désolée. Maintenant, le plus important, c'est que Justin soit reconnu innocent. On doit éviter de faire, de dire quelque chose qui pourrait semer le doute, et il va falloir faire en sorte qu'il garde ses pensées pour lui. Oh, Paul, je te rappelle que c'est de notre fils que tu parles. Il a dit la vérité toute sa vie. On l'a élevé comme ça. Dire que c'était un accident, c'est pas un mensonge. Justin dira la vérité, un point c'est tout. Et la vérité, c'est qu'il n'a pas pris sa voiture avec l'intention de faire du mal à quelqu'un. Alors laisse-le... Expliquer la façon dont ça s'est passé pourrait facilement l'envoyer en prison. C'est ça que tu veux? Et moi, ce que je veux, ça compte pas? Oh, si, bien sûr que ça compte, chérie. Ta mère et moi avons très peur et... Peur? Si vous, vous avez peur, alors moi, qu'est-ce que je devrais dire? Je sais, c'est pour ça qu'il faudra faire très attention à ce que l'on dira. Le procureur risque d'utiliser... Tu veux que je te dise, papa? J'en ai rien à faire de ce que le procureur fera. Le procès, je m'en contrefiche. C'est pas ça qui me fait peur. Vous voulez savoir de quoi j'ai peur? J'ai peur que jusqu'à la fin de ma vie, je puisse plus jamais être heureux, ni avoir une existence normale sans constamment me rappeler ce que j'ai fait. Et à quel point c'était stupide. Quand les faits sont énoncés, le juge pourrait voir ça d'un autre œil. Ça a aucune importance. Ce qui compte, c'est comment moi je le vois et comment je vis avec. Chérie... Levez-vous. L'honorable juge Rourke va maintenant siéger. Affaire 47655, le ministère public contre Justin Gutiérrez. Au cours des prochains jours, je vais faire de vous les témoins d'une terrible tragédie. Une mère et sa fille tuées de façon absurde par un conducteur sans scrupules. Enlevés à leur famille à cause de la conduite intentionnellement dangereuse de M. Gutiérrez. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je jure. L'accusé a pris la décision de faire la course et a transformé sa puissante voiture en une arme mortelle. Comme le montre ce schéma, la violence avec laquelle son véhicule a percuté le monospace a envoyé ce dernier de l'autre côté de la chaussée, où il a heurté de plein fouet un 4x4 qui arrivait en sens inverse. Le véhicule s'est enflammé et a explosé avant que les secours aient eu le temps de dégager les victimes. Plusieurs caméras de surveillance ont filmé le comportement criminel de M. Gutiérrez au volant de sa voiture. Je lui demande de regarder cet écran, de faire face à ses responsabilités. Ceci ne doit plus jamais se reproduire et cette famille mérite que justice soit rendue. Ce n'est pas un accident. Justin a eu le choix et il a décidé de faire la course. Il a pris la décision de commettre ses homicides. Il roulait à 158 km/h. Madame Murakami et sa fille n'avaient aucune chance. Il a scellé leur destin. Vous en avez la preuve en images. Tout a été filmé par les caméras.
de façon absurde. Tuer Gutiérrez. Il n'y a pas de précédent pour ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez faire ça ? Parce que je ne peux pas rester assis dans cette salle une minute de plus sans savoir qui est ce garçon, ce qu'il a au fond de lui. Je veux m'asseoir en face de lui, le regarder dans les yeux et entendre ce qu'il a à dire de lui-même. Sans avocat, sans conseiller, rien que lui et moi. C'est trop demandé ? Assieds-toi. Assieds-toi. Monsieur Gutiérrez, je sollicite cette entrevue parce que je voulais entendre ce que toi, tu avais à dire. C'est uniquement entre toi et moi. Ouais. As-tu quelque chose à dire qui vienne de toi ? Je veux vous dire... Je veux vous dire que je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je m'en veux. Justin Gutiérrez est un garçon qui attache une grande importance à la famille. Permettez-moi, Madame la Présidente, de vous rappeler que ce garçon n'est pas un criminel. Il n'a jamais eu de problème avec la justice jusque-là. Sa scolarité s'est toujours déroulée sans le moindre accroc. La loi est très claire. Il n'y a pas eu intention. C'est ce qu'il faut retenir. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Monsieur Peterson, j'enregistre votre requête. Et je l'examinerai avec attention. Laissez-nous passer. Je me charge d'eux à moins que vous ne vouliez le faire. Non, je vous en prie, allez-y. S'il vous plaît. Vous avez voulu faire un exemple pour les autres adolescents ou était-ce pour optimiser votre agenda politique ? Oh, je n'ai pas l'habitude d'entendre un vocabulaire aussi recherché sur votre station. Vous me demandez s'il y avait une autre motivation derrière les charges portées contre Justin Gutiérrez ? C'est une bonne question, monsieur Kershaw, mais la réponse est non. Deux innocentes ont perdu la vie. Mais pourquoi ? C'était un grand jour pour monsieur Murakami. Le procureur a fait un excellent travail. Maître Taylor, monsieur Leifer a essayé de vous joindre. Je le rappellerai de la voiture. Merci. Oh, vous êtes encore là ? Bruce ? Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais trop rien. Va falloir que vous restiez sur les rails et que vous ne laissiez personne vous déstabiliser parce qu'ils vont être nombreux à tenter. C'était peut-être une erreur. Je croyais qu'il serait différent. Bizarre. Un genre de marginal ou je sais pas, mais c'est qu'un gosse. Mais les dés sont lancés. Il est comme Brody ou Josh. Ou Chelsea. Le ministère public s'est porté partie civile, on ne peut pas arrêter la machine. Bruce, vous avez demandé justice et vous allez la voir. Alors, comment se déroule le procès ? Avec les gars, on a regardé les nouvelles et... À mon avis, t'as pas à t'inquiéter. Ce boss va plonger, je suis prêt à le parier. Ouais. Dis donc, t'as vérifié celui-là ? Les fermes ont l'air solides ? Ah, là, je suis pas sûr.
Oui. Allô, monsieur Bruce Murakami? Oui, lui-même. Est-ce que Brody est votre fils? Oui, oui, c'est notre fils. Enfin, mon fils. Eh bien, il s'est battu avec un autre élève. Quoi? Mais vous avez la référence. Oui, bien sûr, oui. Oh, excusez-moi, monsieur. Brody. Hey. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas moi qui ai commencé. C'est pas de ma faute, je te jure. C'est l'autre. J'ai fait que me défendre, il m'a sauté dessus par derrière. Monsieur Murakami. Ah, madame Warren. J'ai pensé qu'il pourrait être utile pour vous... et pour Brody de savoir que nous avions un psychologue à la disposition des élèves. Mais mon fils assure que c'est l'autre élève qui a déclenché la bagarre. Chacun a sa propre version. Ah, sans doute, oui, mais moi je crois ce que mon fils dit. Monsieur Murakami, il faut voir les choses en face. Je pense que Brody est un adolescent en révolte. Un adolescent en révolte? Vous croyez pas qu'elle est normale, cette révolte, étant donné les circonstances? Je comprends que ce doit être très difficile pour vous. Alors pourquoi est-ce que vous venez me donner des leçons sur la façon d'élever mon fils? Il y a des gamins, là, dehors, qui jouent avec la vie des autres quand ils sont au volant. Comment se fait-il que vous ne preniez pas des mesures de sécurité? Comment vous pouvez laisser faire nous ça? Nous prenons des mesures de sécurité, mais on ne peut pas être tout le temps derrière eux. Alors il faut que quelqu'un parle à ces jeunes, leur explique ce qui peut arriver. Nous avons une fois par an des officiers de la police de la route qui viennent leur parler des accidents, leur montrer des vidéos. Laissez-moi deviner, ils n'écoutent pas. Eh bien, ils sont un petit peu comme vous, ils n'aiment pas recevoir de leçons, en particulier de la part des forces de l'ordre. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. C'est simple, s'il est reconnu coupable, il va... Parce que vous en doutez? Il va écoper de 30 ans. Oui. Bon, s'il vous plaît, essayez de garder l'esprit ouvert. Je veux bien, mais... À votre avis, il est trop tard pour procéder à un arrangement? Pourquoi y revenir maintenant? La dernière fois qu'on vous a parlé de faire un arrangement... Je sais, mais... S'il admet ses torts en public, s'il en parle, je suis convaincu que ça rendrait service à pas mal de monde. On appelle le procureur? Encore une requête sans précédent. Ça devient une habitude dans cette affaire. Vous croyez qu'il serait d'accord? Je ne sais pas. Bruce, à mon sens, ce serait une grosse erreur. Et pourquoi ça? Parce que nous nous sommes donné beaucoup de mal pour monter un dossier solide, et on en a un maintenant. Je ne vous comprends pas. Je vous promets que Maître Taylor n'aurait pas dit ça si elle n'en avait pas l'intime conviction. Mais je vais y réfléchir. Merci. Autant que je m'en souvienne, j'ai été engagée pour représenter Cindy et Chelsea, car elles n'étaient que d'innocentes victimes. Oui, je sais bien, et nous l'avons prouvé. Écoutez... Erin, c'est vraiment ce que je veux. J'ai besoin de le faire. Bon, eh bien, de toute évidence, vous avez pris votre décision. De mon côté, j'ai fait tout ce que je pouvais, et... Alors que vous choisissiez ou non d'aller au bout de cette idée... Je pense que mon travail est terminé. Merci, Erin. Je vous suis très reconnaissant de m'avoir aidé. Sans vous, rien n'aurait abouti et je... Alors, encore une fois, merci pour tout. Bonne chance. Du fond du cœur. C'est gentil. Les enregistrements vidéo sont des preuves solides. Ils permettent de déterminer la vitesse. Et nos témoins ne tiennent pas une seconde face à leur témoin. Une petite minute. Ce que ma femme veut savoir, c'est si on a une chance d'obtenir une peine encore moins lourde. Non, je ne crois pas. Ce serait risqué d'aller au procès dans notre position. Je crois sincèrement que nous ne devons pas laisser passer la chance qui nous est offerte. On ne peut rien espérer de mieux. Si vous le dites. Maman? Faites-moi confiance, Paul. Justin? Tu pourras obtenir des remises de peine pour bonne conduite. On est en train de voir avec l'avocat au sujet de cette nouvelle proposition. Vu la situation, chérie, si tu plaides coupable... Oui, maman, je sais. J'écoperai d'office d'un maximum de 15 ans. C'est pas rien, 15 ans. C'est long dans une vie. C'est ma vie, ça regarde que moi. Bien sûr, je sais. Mais l'avantage du procès, c'est que tu pourrais être reconnu innocent. Je suis pas innocent, maman. Oh, bien sûr que si, Justin. Tu n'as pas idée à quel point tu l'es. Ça va aller, maman. Promis. Je veux le faire.
asseoir rapidement et en silence. J'ai dit en silence. Merci. J'aimerais vous présenter Monsieur Bruce Murakami. Son fils Brody est en seconde ici. Comme le savent peut-être certains d'entre vous, la mère et la sœur de Brody ont récemment été tuées dans un accident de voiture. Un tragique accident qui n'aurait pas dû arriver. Je veux que vous écoutiez très attentivement ce que Monsieur Murakami a à vous dire. Monsieur Murakami ? Merci. J'aimerais remercier Madame Warren de me laisser vous parler. L'idée vient de moi et de moi seul. J'ai encore jamais fait ça, c'est la première fois. Allez, je me lance. Je dois vous avouer que quand j'ai su les vraies causes de l'accident, il m'est tout de suite venu à l'esprit une image toute faite de celui qui était derrière le volant. Et je suis sûr que c'est aussi votre cas. Mais en fait, mon image n'avait rien à voir avec ce garçon. Ça aurait pu être toi ou... Ou toi, au fond. Ou toi. Mais non. Non, c'était toi. Tu t'appelles Justin Gutierrez. Monsieur Murakami m'a demandé de venir ici. Je me suis d'abord dit pourquoi. Tout le monde connaît déjà l'histoire. Ils en ont parlé aux nouvelles. Je suis le mec qui s'est réveillé un matin et qui est allé tuer deux personnes qu'il ne connaissait même pas. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire la course ce jour-là. Je suppose que c'était à cause de l'image que j'avais de moi. Style, je suis un as au volant, regardez comme j'assure. Alors quant au feu, on m'a fait signe disant « fais la course ». J'ai démarré au quart de tour. J'ai eu une montée d'adrénaline. C'est aussi grisant que faire du snowboard ou du ski, mais en bagnole. Mes pneus ont décollé du sol. J'avais la sensation de voler. Et puis soudain, boum, tout s'est arrêté net. J'ai détruit la vie de 5 personnes. Sept si on compte mes parents. Et 8 si on me compte moi. Salut Mélissa. Ça va, Bruce ? Oui, merci. Brody a été un peu contrarié par quelque chose que... Oh, c'est génial. Il joue au billard. Ah, je suis soulagé. Je vais venir le chercher. Je t'attends. Bien, tout de suite. Je suis vraiment désolé pour tout ça. T'as pas à l'être. Pour être honnête, on est plutôt flattés d'être sa famille de secours. Ça, c'est sûr. Il nous a raconté ce que tu avais fait. Oui, mais il a pas très bien réagi. C'est vraiment dommage. Moi, je trouve ça plutôt bien. J'en avais pas parlé à Brody parce que j'étais pas sûr qu'il viendrait et je voulais qu'il soit là. Tu sais, c'était pas évident.
Parler devant tout ce monde, en plus avec lui. Ouais, j'imagine. J'ai eu du mal au début. Brody. En tout cas, c'était vraiment très courageux de faire ça. C'était pas courageux, c'était minable. Merci encore. T'as trouvé que c'était minable? J'ai le droit, non? Je me suis dit qu'il serait plus réceptif si ça venait de quelqu'un de leur âge, c'est tout. Quand je pense que tu m'en as même pas parlé. Tu l'as dit à Josh? Non. C'est vrai, t'as raison, j'aurais dû te le dire, je suis désolé. C'est trop tard maintenant. Pourquoi? Tu comprends pas, papa? Comment est-ce que t'as pu devenir ami ou même faire un truc avec le mec qui a... Avez-vous été réceptif à son discours? Ah ouais, ça nous a refroidi. J'ai l'impression que vous avez tous beaucoup appris de cette présentation. Alors ce soir, quand vous serez chez vous, en famille, qu'allez-vous dire à vos parents? Que je ferai gaffe en bagnole parce que je les aime. Est-ce que cela a définitivement changé votre état d'esprit? Ouais, frimer en bagnole, ça craint. Nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative de Monsieur Murakami pour l'impact positif qu'elle a eu ici au lycée Lincoln. Sur cette fenêtre, les trois panneaux vitrés sont fixes. Attendez, je comprends pas. Venez, suivez-moi. Attention à la dénivellation. Pour un autre lycée que le vôtre? Exactement. Ils ont eu vent de votre intervention et le proviseur voudrait que Gutiérrez et vous fassiez la même chose pour ses élèves. Ils vous ont écouté, Bruce. Brody, je sais que ça doit te paraître un peu curieux. C'est le moins qu'on puisse dire. Je comprends ce que tu ressens. Mais si aller en parler dans les lycées peut contribuer à empêcher d'autres jeunes de bousiller des vies, ça en vaut la peine, non? Tu veux que je te dise? Je crois qu'en fait, tu t'en fiches de ce que je peux ressentir. C'est vrai? Tout ce que tu veux, c'est que je te dise « Ouais, c'est une super idée, y a pas de souci, fais-le, tout va bien. » Seulement, c'est pas du tout ce que je pense. Et ça m'étonnerait que je change d'avis. Faut que je répète. Absolument, ouais. De rien. À tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il veut? Que je l'accompagne dans un autre lycée. Tu devais le faire qu'une fois, tu n'as pas recommencé. Je lui ai déjà dit oui. Ça fait pas partie de notre accord. Mais moi, j'ai envie de le faire. Justin, veux-tu... J'ai vu la réaction des élèves quand il a parlé. Merci, maman. Tu veux que je te dépose chez lui? Non, il passe me prendre. C'est embarrassant, hein? C'est le lycée que tu fréquentes? Non, monsieur. J'allais à Truman. Ah bon, à Truman? Je crois qu'eux aussi nous ont adressé une invitation. Ça te posera un problème d'aller parler là-bas? Tu dois encore y avoir des amis? Non, pas vraiment. Il y a une nana avec qui je suis sorti quelques mois... Tu la vois plus? Nos routes se sont séparées. Eh ben alors, c'est fini? Tu vas plus à l'école, toi? Allez, viens là. Tu vas bien? Si on veut. C'est vrai ce que mon avocat a dit au juge. Mon casier est vierge. Mais uniquement parce que je m'étais jamais fait prendre. En réalité, c'était pas la première fois que je faisais la course. Je l'ai fait très souvent. Y compris du côté d'Hillsborough. Alors, jusqu'à la fin de ma vie,
Je vais devoir vivre avec ce que j'ai fait. Je vais devoir vivre avec la douleur et la peine que j'ai causée à Monsieur Murakami, avec le souvenir de tout ce dont je l'ai définitivement privé. Et maintenant, je pourrai jamais, jamais me faire pardonner, encore moins me pardonner. Que je comprenne. Ils font une campagne de prévention ensemble. C'est... Wow. Ouais, je te le fais pas dire. Et qu'est-ce qu'il t'a donné comme explication? Rien. Il a même pas pris la peine de me demander. Il s'est pointé avec ce mec à mon bahut pour faire son speech. J'étais assis comme les autres dans la salle, j'étais au courant de rien. Qu'est-ce que t'as fait? À ton avis. Courage, fuyons. Puis après. Et alors? Qu'est-ce que les élèves ont pensé de ce qu'il a dit? Comment ils ont réagi? Qu'est-ce qu'on s'en tape? Moi, ce que je retiens, c'est qu'il m'a fait passer pour un crétin. Aujourd'hui, ils sont allés dans un autre bahut à Daryl, et j'ai entendu dire qu'ils en feraient encore un autre la semaine prochaine. Brody... Sur quelle planète ils croient que ça peut le faire? Brody, non, tu restes là. Je suis venu pour qu'on en parle, justement. J'ai aucune envie de parler de ça. Au moins, écoute-moi, d'accord? Quelque part, c'est peut-être une façon pour papa de faire son deuil, de surmonter la disparition Non, ne me dis pas que c'est une façon de surmonter ça. Il s'agit de ma mère et de ma sœur. On n'a pas à se servir d'elle pour faire la morale à la planète. Brody, attends une seconde. Brody, reviens. Brody, je crois qu'il fait ça pour rendre hommage à leur mémoire, pour transformer ce dramatique événement. En une belle journée ensoleillée, en chansonnette pour feu de camp. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Qu'on pardonne à cet enfoiré? Il veut peut-être qu'on le remercie aussi. Brody, tu veux bien revenir, s'il te plaît? Tout le monde a l'air de trouver ça normal, j'hallucine. Attention! Brody! Brody! Il va bien? Il a surgi comme ça et... Brody! Attendez. Eh ben, 12 points de suture, c'est pas rien. Moi, c'est 2 le plus que j'ai eu. Ça va ton bras? Oh, c'est qu'une fracture, c'est pas grave. Ouais, tu t'en tires très bien, mon petit gars. Bon, alors si j'ai bien compris, il t'a renversé alors que t'étais engagé sur la route. Papa, c'était de ma faute. Eh bien, il faut croire qu'on a de la chance. Tous les trois. C'est bizarre. Tous les matins, ça me fait la même chose. Au moment où je me réveille, juste un peu avant d'être tout à fait conscient, il y a quelques secondes où le monde semble merveilleux. Tout va bien, il n'y a aucun problème. Et puis ensuite, je cligne des yeux. Et là, je me souviens qu'elles nous ont quittés. Alors, subitement, j'ai froid. Je grelotte, comme si j'avais dormi toute la nuit dehors ou... Je sais pas quoi. J'ai horreur de ce silence. Je le déteste. Je déteste ne pas les voir franchir la porte. Je déteste aussi la façon dont elles sont figées sur ces stupides photographies dans lesquelles on passe notre temps à se demander pourquoi c'est arrivé. Je déteste ne pas pouvoir retrouver ma vie d'avant. Les garçons, je vous demande pardon. Parce que ça fait un bout de temps, même avant que ce drame se produise, que je suis presque tout le temps pendu au téléphone à traiter des affaires et que je fais passer mon boulot avant la seule chose qui est vraiment importante, à savoir vous. J'ai jamais vraiment été là, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais en particulier pour le génie de la famille. Merci, ça fait plaisir. Je vous aime tous les deux. Et à partir de maintenant, je ne prendrai plus jamais de décision sans en avoir d'abord discuté avec vous. Ça vous va? Est-ce que ça vaut aussi pour ce à quoi je pense? Oui, Brody. C'était pas une parole en l'air. Si ça vous plaît pas, si vous pensez que c'était pas une chose à faire, alors j'arrête tout. Brody, ta maman t'a toujours appelé le génie de la famille. Et je sais à quel point elle t'admirait.
Et elle t'aimait. Je sais aussi combien elle te manque. Mais je la vois là, debout, dans ce salon, et j'entends sa voix. Elle te dit, ton papa vous aime tous les deux. Et c'est la vérité, mon chéri. Jamais plus je ne laisserai quoi que ce soit se mettre entre nous. Je te le promets. Monsieur Murakami. Oh non. Bruce, oui, c'est bon de vous voir. Vous aussi, Erin. J'ai tout suivi, c'est fabuleux. Oh, merci. J'ai tenu à venir pour vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait. Je vous en suis vraiment très reconnaissant. Vous avez pris beaucoup de temps sur votre planning déjà chargé. Je sais que ça n'a pas dû être facile. Il me fallait ça. À la longue, j'avais oublié comment prendre du temps pour écouter, pour ressentir, pour réfléchir à ce que justice veut vraiment dire. Alors, je crois que c'est à moi de vous remercier, sincèrement. Les garçons vont bien ? Oui, oui, ça va. On s'est retrouvés. Bien. Oui, c'est bien. Mais ? Oh non, non, il n'y a pas de mais. Vous n'êtes pas venu ici uniquement pour... Oui, bon, c'est vrai, il y a une petite chose, je reconnais. J'en étais sûre. Mais trois fois rien. Allez-y. Je voudrais aller encore plus loin dans mon action. À vous tout. À plus tard. C'est l'honorable juge Rohr qui présidera la séance. Veuillez gagner vos places. La cour va siéger. Excusez-moi. L'arrangement conclu entre les parties me paraît parfaitement clair. Donc l'accusé plaide coupable pour deux homicides par imprudence au volant d'un véhicule motorisé. En conséquence de quoi, il purgera une peine mitigée de 15 années d'emprisonnement dans un pénitencier d'État. La défense est d'accord avec cet arrangement ? Oui, tout à fait. Et je suppose qu'il en va de même pour le ministère public ? Non, madame la présidente. Y a-t-il eu des faits nouveaux depuis que l'arrangement a été conclu ? Oui, j'ai passé la matinée avec M. Murakami afin de fixer les termes d'un nouvel arrangement. Pouvons-nous approcher ? Voyons ça. Votre requête porte sur la condamnation. Monsieur Murakami, êtes-vous vraiment en accord avec ceci ? Oui, je suis, madame. Et j'ai parlé avec M. Gutiérrez des conditions de cette nouvelle proposition. Très bien, je l'accepte. Dans le sens de ce nouvel arrangement, le ministère public requiert la permission pour M. Justin Gutiérrez de s'adresser directement à la cour. Monsieur Murakami. Il y a 13 semaines, la chance m'a été donnée d'exprimer à M. Murakami ce que je ressentais depuis cette terrible tragédie. Je lui ai fait part de ma honte pour le rôle que j'ai joué dans cet accident. Et aujourd'hui, je viens ici, devant vous, dire publiquement à ses deux fils et au reste du monde que je suis désolé. Je le crois sincère. Je crois qu'il éprouve du remords. Je ne ferme pas les yeux sur son acte. Toutefois, je le pardonne. Je pense qu'il en paie déjà le prix. Envoyer Justin en prison ne ferait que rendre cette situation encore plus tragique. Ma femme et ma fille pourraient ne pas être mortes pour rien, madame la présidente. Si Justin continue à raconter son histoire à l'extérieur, dans les lycées. Et si ça permet d'empêcher un de ces jeunes, ne serait-ce qu'un, de commettre la même bêtise fatale que celle qu'il a commise, alors je crois que ma famille aurait une chance de guérir. Et justice serait rendue. Madame la présidente, puis-je approcher ?
Cet arrangement donne obligation à M. Gutiérrez de faire équipe avec M. Murakami pour développer un programme visant à combattre le dangereux comportement routier de certains adolescents. En échange, nous acceptons de ramener les charges à coups et blessures par négligence ayant entraîné la mort. En plus de cela, M. Murakami demande que le mot « criminel » soit retiré du casier judiciaire de Justin. Monsieur Murakami, êtes-vous pleinement conscient qu'avec ceci, M. Gutiérrez ne se verra condamné à aucune peine de prison ? Oui, j'en suis conscient. C'est une remarquable proposition que M. Murakami présente devant cette cour. C'est une chance que vous n'aurez pas deux fois, M. Gutiérrez. Ça veut dire que vous ne serez pas fiché comme criminel condamné. À la lumière de cette nouvelle information et des précédentes plaidoiries, je vais donc à présent prononcer la sentence. Cette réduction des charges ramène la sentence à 2 ans avec sursis, 8 années de probation et 300 heures de travaux d'intérêt général. Monsieur Gutiérrez, j'espère que vous avez conscience de la chance qui vous est offerte. Sachez vous en montrer digne. La séance est levée. Merci, Monsieur Peterson. Peut-être à bientôt. Alors ? C'est très noble. Merci. Je suis si content, mon grand. Monsieur Murakami, nous tenions à vous dire que... Pardonnez-moi. On vous remerciera jamais assez de tout ce que vous avez fait pour Justin. Et pour nous. Oui. Merci. Je suis très heureux. Salut. Ton père... Ce qu'il a fait... Enfin, je veux dire... Oui. Je sais. Toi et ton frère, vous n'êtes peut-être pas très... Si, on l'approuve. C'était ce qu'il fallait faire. Et... pour la fois où je t'ai cogné dessus... je suis désolé. Merci. Encore bravo, monsieur Murakami. Merci. Bonne chance à vous trois. Merci.